Bonjour à toutes et à tous. Donc encore une petite vidéo sur le monde de nos abeilles. Voilà, ben aujourd'hui j'ai choisi une ruche en pleine production, voilà, très populeuse, en pleine forme. Donc comme vous pouvez voir sur la planche d'envol, il y a un grand va-et-vient. Elle butine, elle rentre du pollen. Voilà, donc je vous propose d'ouvrir pour voir un peu mieux la vie à l'intérieur de la ruche, bien au-dessus d'un essaim. Voilà, l'autre fois on a attaqué gentiment par un petit essaim, là il y aura un peu plus de monde. Donc on enlève la première partie, c'est la hausse, c'est la partie qu'on récolte, ça fera l'objet d'une autre vidéo, un autre thème. Voilà. Ensuite on rentre dans le vif du sujet. Il y a pas mal de monde comme vous voyez, encore c'est une belle journée, donc elles sont en train de butiner. De nombreuses butineuses sont en plein travail et ne sont pas là. Sinon, je vous laisse imaginer la population qu'il peut y avoir en temps normal quand il fait mauvais. Donc la première partie, ce n'est qu'une petite partition qu'on appelle, c'est une séparation en fait. On enlève, voilà. Comme ça on peut travailler tranquillement sans mettre les cadres hors de la ruche au risque de perdre la reine dans l'herbe. Donc les cadres de rive, ce sont les cadres qui sont aux deux extrémités, voire deux et deux. C'est là où il y a toutes les provisions de la ruche, comme vous allez le voir. Voilà, donc pas mal de miel. Le miel operculé, c'est un miel qui est à la bonne hygrométrie, c'est-à-dire qui va se conserver, qu'elle garde pour un peu plus tard. Ensuite il y a des entrées de miel un peu partout au fond des alvéoles, pas mal de pollen. Voilà, un cadre comme ça lorsqu'il est plein, ça fait environ 4 kg de miel, ça fait pas mal de réserves. Le deuxième, voilà, c'est aussi pas mal de pollen, il y a un peu de ponte au milieu. En ce moment, la ruche est vraiment pleine, donc la reine peut, là où elle peut, là où il y a un peu de place. On va aller un peu plus au cœur de la ruche. Nous allons avoir des cadres de couvain un peu plus conséquents, avec beaucoup de pontes certainement. Je vais pouvoir vous montrer peut-être des œufs et des larves. Voilà un joli cadre. Alors, tout le couvain, j'ai fait un peu de place. Tout ce qui est operculé, c'est des naissances à venir. Voilà. Dans quelques jours, ces centaines, voire ces milliers d'alvéoles vont voir éclore de nouvelles ouvrières pour repeupler la ruche au fur et à mesure que les ouvrières se tuent au travail. Et souvent ne peuvent pas rentrer dans la ruche par cause de fatigue. Je regarde tant bien que mal, peut-être on va voir la reine, mais dans une ruche aussi populeuse il faut vraiment la chercher assidûment pour la voir. Je vais vous montrer, voilà, là vous avez un mâle qui sont bien plus gros que les petites ouvrières qu'on peut voir un peu partout. Ensuite, toutes les petites alvéoles bombées que vous voyez, ce sont des mâles à naître. C'est le couvain de mâles qu'on appelle à cette période. Il y en a beaucoup. Toutes les ruches ont besoin de mâles pour pouvoir féconder les reines et perpétuer l'espèce. Je vais essayer de vous montrer un cadre avec des œufs et des larves. Je n'en vois pas. Ah, la reine, voilà, vous pouvez voir, on y est tombé dessus, ça va, un coup d'œil.
Voilà, la demoiselle qui permet à cette ruche de se régénérer au fur et à mesure. On fait très attention à ne pas la coincer ou l'écraser, c'est primordial d'épargner nos rennes et de les garder en bonne santé, sinon la ruche est pas obligée de refaire encore une reine. Il y a un arrêt de ponte et de ce fait la ruche se dépeuple. On n'a que du couvert fermé. Compliqué de vous trouver des œufs et des larves. La ruche est assez forte. Là, c'est encore des cadres de provision que je vous épargne. C'est un cadre tout neuf qu'elle vient de bâtir il n'y a pas longtemps, vous voyez. Les cires sont bien blanches, contrairement au milieu où les cires sont un peu noircies. C'est simplement dû au dépôt. De nombreuses naissances, les cocons laissent petit à petit une petite pellicule et nous sommes obligés de renouveler les cires environ 3-4 cadres tous les ans. Voilà, parce que les reines aiment bien avoir une cire bien fraîche. Ça les incite encore plus à prendre. De la ponte ici, mais ça va être compliqué, surtout si on n'a pas le soleil qui nous aide. Vous pouvez voir peut-être quelques larves là, au fond des alvéoles, des larves qui ont déjà pas mal de jours. Les premiers jours, les larves sont vraiment comme des têtes d'épingle. Ensuite, elles grossissent petit à petit jusqu'à ce que les ouvrières les operculent. Et ensuite, elles finissent de grandir et se développer jusqu'à la naissance. J'aurais bien aimé avoir la chance de voir la naissance d'une ouvrière pour vous montrer. Mais là aussi, je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Personne ne veut se montrer. Voilà pour l'intérieur d'une ruche populeuse en plein développement. Déjà bien développée, en pleine production plutôt, j'ai envie de dire. Et qui va nous donner du miel d'acacia. Elles sont en train justement de les rentrer. En espérant que la météo reste clémente. Parce qu'avec le monde qu'il y a, si elles sont obligées de rester dans la ruche, elles vont consommer tout ce qu'elles ont déjà rentré. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je réfléchis à un autre sujet. Merci à tous, un beau week-end, au revoir.